sais absolument rien. Putain, mais c'est n'importe quoi, là. Les cas de l'informatique ont intérêt à se bouger. Ouais, je suis devant le bureau de fond. Vous entendez ça? Ouais, visiblement, vous avez connecté tout le bâtiment au même réseau jusqu'à ce saleté de jouet. Vous pouvez m'arrêter ce cirque? Ouais. Ouais, c'est ça, je vais vous dire. Arrêtez de vous excuser et faites votre boulot correctement la prochaine fois. Cool. Tu crois? Je sais. Hein? Sérieux? Cool. Tu crois? Oh, Yasmine, on vous attend. Je sais, Horatio Carlin. Vous avez lancé de graves accusations à son encontre. Il fallait que je prépare une salle sécurisée. Eh bien, laissons parler les preuves. Monsieur Carlin, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. T'es le meilleur, Horatio. Ça va le faire. C'est vrai qu'il déconne pas avec la sécurité, dis donc. Ça y est. C'est bon, les données de Noodle sont maintenant à tête sec. Moi je me tire, mais Horatio est toujours dans la merde. Y'a pas moyen de l'aider? Si, on a accès à tous les ordinateurs de Noodle, y compris ceux d'Horatio et de ce Brody là. Attends, ça me donne une idée. Ah bah vas-y, fais-nous rêver. C'est bon, c'est fait. Allons voir comment ça se passe du côté d'Horatio. Vous refusez de coopérer et j'en suis sincèrement désolée. Je ne peux que vous conseiller de faire appel au service d'un avocat. Oui ? Vous avez identifié les frappes ? Je vois. Merci. Monsieur Carlin,
Je suis affreusement désolée. Et il semblerait que nous ayons commis une énorme erreur. Je... Eh ben voilà. Toutes mes excuses. Non, non. Vous pouvez partir. Je suis content que ce soit réglé. Oh, non, c'est pas possible, il faut... Monsieur Goodale, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, je... Écoutez, je... Asseyez-vous. Oh putain, c'était tendu. Ça va, Ratio ? Yeah, nickel. T'es où, toi ? Retrouve-moi devant, au bus Noodle. Hey, je suis dans une grande salle climatisée. Une idée pour sortir d'ici ? Affirmatif. Il y a un conduit d'évacuation à l'arrière de la salle. Il devrait te ramener à l'extérieur. Super, merci. T'as remplacé les frappes d'Horatio par celles de Goodale ? Personne fait chier notre Horatio sans avoir de problème. Pas mal, Citara, pas mal. Je prends ça pour un compliment. C'est juste... Ah, mais... Qui aime pas boire l'eau ? C'est bizarre. Je suis pas bizarre. C'est de l'eau. C'est le mieux pour quand tu as soif. C'est... Hé, tête de nœud. Ça va ? Comment tu m'as appelé ? J'y crois pas. C'est le genre de truc que disait mon grand-père. Ah, c'est trop mignon. Ah, trop mignon. Ouais. Je suis allé voir la plupart des stations, de Presidio à Sunset. Elles sont toutes d'accord pour diluer l'essence. Évidemment. Hey, comment ça va, le transfert ? Mortel, Marcus, mortel. Bloom a bien exploité les données de Noodle. Ils leur ont même filé un accès limité à leur contenu. J'aimerais chanter victoire, mais tout ça, ça pue le douchan à 100 bornes. Bloom et Noodle qui coopèrent comme ça, c'est une découverte énorme. Et ça fait super peur. Bon, allez, quoi, Noodle, c'est pas si terrible. Salut, Horatio. Hey, amusez-vous, mais gardez-moi des bières, ok, Range ? Là, tout de suite, j'ai du code à... coder. Hey, merci, mon frère. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. T'inquiète. Mais ça t'embêterait d'y aller, là ? Parce que tu rends les gens nerveux. Mais... Hey, au fait, t'as goûté les pommes grenades ? C'est pas trop bon, franchement. Vous ressemblez à quelqu'un qui dispose d'informations très précieuses. Bon. Dites-moi tout ce que vous savez sur DeadSec. Des conneries pareilles, ça me donne envie de péter des têtes. Oh mon Dieu, venez sur moi. Des hackers qui repèrent des terroristes pour le FBI, c'est semble-t-il la nouvelle stratégie des fédéraux. Entre la hausse du nombre de cyberattaques et l'intégration de CityOS dans chacun des mécanismes de notre ville, le FBI prend des mesures draconiennes pour protéger cette technologie. Un rapport du Congrès révèle que le FBI demande à avoir l'autorité légale de faire pression sur les hackers pour bénéficier de leurs techniques. Le FBI souhaite également identifier et enregistrer les hackers et groupes de hackers, sans avoir besoin de prouver qu'ils aient commis des crimes. Les militants pour la liberté d'accès.
accès à l'information disent que cette requête sans précédent est une menace aux libertés civiles. Ok, c'est parti. Allez, mène-toi! C'est surtout là que les Tescas opèrent. Tu rigoles, j'espère. Les Tescas, bordel. Ils en ont rien à foutre de rien. Franchement.